Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr. Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. Fait la force. En France, toutes les 4 heures, un homme ou une femme âgée de 20-40 ans est frappé par la sclérose en plaques. Tout à fait. Elle touche environ 80 000 personnes au total, avec une incidence de 2000 nouveaux cas par an. Il y a 70% de ces nouveaux cas qui ont entre 20 et 30 ans et dont 2/3 sont des femmes. Oui. Tu confirmes? C'est tout à fait ça. À part les chiffres maintenant de 80 000 sont pratiquement arrivés à 100 000. D'accord, parce que 80 000, c'était marqué, c'est ce qui avait marqué cette semaine en tout cas. En ce qui concerne ce qui est marqué, après ce qui est la vérité, les gens, il faut savoir qu'il y a des gens qui sont atteints de sclérose en plaques mais qui n'ont pas fait les examens adéquats. Alors, on a un souci de micro, je sais pas si vous l'entendez. Ouais. Alors, on va changer de micro rapidement. Tu vas aller là-bas. C'est parce qu'il y a un petit. Ne vous inquiétez pas. C'est qu'un problème technique. Non, c'est ce micro-là. C'est celui-là. Ah, donc je l'éteins. Voilà, pour que tout le monde entende bien, je l'ai éteint. Donc tu reprendras un autre micro si jamais tu veux réagir. Je voulais dire deux petites choses aussi. Alors tu m'en confirmes Eric là-dessus parce que j'ai trouvé deux trucs là-dessus. Tu me diras quel est le vrai ou le faux. On me dit que la sclérose en plaques est la première cause de handicap en termes neurologiques chez le jeune adulte. Tout à fait. Oui. Mais on me dit aussi qu'elle représente la deuxième cause de handicap acquis du jeune adulte après les accidents de la route. Alors est-ce que tout ça est vrai? Tout à fait. Tout ça est vrai. Après les accidents de la route, c'est la sclérose en plaques pour les jeunes. D'accord. René, tu veux rajouter quelque chose peut-être? Mais moi, je vois que dans le livre qu'il a évoqué, qu'elle débute en général chez les adultes jeunes entre 20 et 40 ans, et d'où les 2/3 des femmes, la plupart du temps maman ou future maman, sont touchées par cette maladie, et je trouve ça qui est un impact familial important. C'est pourquoi on en parle aujourd'hui, de façon à ce que vous connaissez mieux et que vous appréhendez et que vous accompagnez les malades qui sont atteints de la sclérose en plaques. Mais on va présenter ce que c'est que la sclérose en plaques quand même, la maladie. Alors on dit sclérose en plaques, on dit la SEP, c'est l'abréviation de sclérose en plaques, SEP. Apparemment on peut dire SP aussi. J'ai jamais entendu par contre, mais nous qui avons la sclérose en plaques, on s'appelle SEPien. Voilà, ouais, c'est ce que je te dis. En termes familiers, ouais, c'est bien. Alors, c'est une maladie neurologique, oui. Auto-immune chronique du système nerveux central. Elle est multifactorielle et ses manifestations cliniques sont liées à une. Alors, il faudra expliquer ce que ça veut dire. Une démyélisation. C'est dur. Alors, c'est très dur à dire. Je suis désolé. C'est une gaine qui est juste en dessous de la peau, qui recouvre le corps entier. D'accord. Et malheureusement, vous refabriquez, les gens normaux refabriquent de la myéline, et nous, on a, des inflammations de la myéline comme des volcans. Et malheureusement, ça cicatrise, mais ça ne refabrique pas de la myéline. Alors, je vais essayer de le redire. Démyélinisation. C'est très dur à dire. Oui. Je suis désolé. C'est tous les influx nerveux. Ouais. Voilà, c'est ça. Des fibres nerveuses du système nerveux central. Alors, il y a le cerveau, la moelle épinière et le nerf optique. Voilà. Ensuite, sa prévalence montre d'importantes disparités géographiques. Les estimations varient selon les zones entre moins de 20 et 100 ou pour 100 000 habitants. Voilà. Est-ce que tu veux dire quelque chose? Oui, c'est des parties du système nerveux qui sont touchées donc par la maladie qui ressemble à des plaques que l'on peut visualiser lors d'une imagerie par résonance magnétique, c'est-à-dire les IRM, d'où le terme de sclérose en plaques. D'accord. Voilà pour montrer. Juste pour ma part, excuse-moi, juste pour ma part, Sandy, je suis atteint de 6 dans le cerveau et une à la moelle épinière. D'accord. D'accord. En tout, j'ai 7 plaques.
Et ça, tu veux qu'on en parle maintenant de ça, ça tu l'as su quand après l'IRM. L'IRM. Ouais. Après l'IRM. Ouais. Ça fait combien de temps maintenant que tu, que ça, que... Depuis 6 ans. 6 ans. Ouais. 6 ans quand même. Depuis décembre 2006. Il est au courant comme quoi que. Bah, de toute façon, depuis le 16 décembre 2006. Tu nous expliqueras ton parcours de ce que tu as vécu pendant 6 ans. Là, on va d'abord essayer de décortiquer ce que c'est que la sclérose en plaques. Et tu nous expliqueras de ton côté ce que tu as vécu, comment tu vis ça, comment tu arrives à. Il y a aussi, on a parlé longuement tous les deux parce qu'on s'est rencontrés le 22 mars, c'est pour ça qu'on se tutoie, hein, je tiens à préciser, on se voit pas, on se consonne, on s'est rencontrés le 22 mars dernier, on en a parlé beaucoup, le regard des gens, tu te souviens, on a beaucoup parlé là-dessus, et j'aimerais qu'on parle de ça, c'est très important, je trouve. Avant le 22 mars, non? Non, on s'est vu le 22. Non, le 22 mars. Mars, c'était au Girophare, je tiens à préciser pour ceux qui le savaient dans pas. Le débat que j'ai voilà. Organisé, alors. Disons qu'on t'a déjà eu au téléphone le 12 février, avec Mission Excentrique. Et on t'a vu, on t'a rencontré le 22 mars dernier. Voilà, et c'est pour ça que pour la journée mondiale, c'est ça, de la sclérose. C'est le 30 mai prochain. Le 30 mai prochain, donc c'était que tu nous accompagnes autour de cette maladie. Alors on va un petit peu décrire ce que c'est que cette maladie, donc la répartition des symptômes. Alors on parle de nystagmus, est-ce que ça te dit quelque chose? Non. Alors c'est le mouvement involontaire de l'œil, l'un des symptômes possibles de la sclérose en plaques. Alors la maladie débute typiquement, donc on l'a dit, entre 20 et 40 ans. Elle peut aussi toucher rarement des enfants de moins de 10 ans, j'en reviendrai tout à l'heure parce que j'ai un témoignage, et touche trois femmes pour un homme. Là, comme tout à fait, c'est bien pour ça que je trouve ça, ça me fait pitié parce que ça touche beaucoup plus les femmes quand elles viennent d'avoir un enfant que les hommes. Et là, c'est terrible. C'est terrible, ça. Parce que les femmes sont plus fragiles, elles sont plus. Le corps, non, surtout que le corps est fatigué d'avoir été pendant 9 mois enceinte. Oui. Et en fin de compte, quand elles donnent l'enfant. Le corps est fatigué automatiquement. On parlera pas de la vaccination due à ça. Sauf que ce sera encore un nouveau débat, la vaccination. C'est encore autre chose, oui. Voilà. Alors, donc certains éléments caractéristiques doivent faire suspecter une sclérose en plaques. Donc il y a des accidents neurologiques répétés. Régressif, au moins en début de maladie, touchant aussi des fonctions variables, donc la vision, la motricité, la sensibilité, etc. Et les poussées sont disséminées dans le temps et dans l'espace. Le syndrome, alors je connais pas tout ça, c'est des termes médicaux, mais que tu vas nous évoquer. Je vais faire une petite parenthèse. Vas-y. Il n'y a pas que la sclérose en plaques par poussée. Il y a 85% à peu près de gens qui sont atteints de sclérose en plaques par poussée. Et après. Il y en a d'autres, hein. Il y en a d'autres. Ouais, j'ai vu ça, oui. La sclérose en plaques primaire progressive, on n'est que 7% et dont je suis atteint. C'est-à-dire que la maladie avance. D'accord. Alors, on continue. Alors, tu me dis, je t'expliquerai, tu m'expliqueras ce que ça veut dire, parce qu'il y a des choses que je ne sais pas. Par exemple, le syndrome pyramidal est inaugural, donc c'est le révélateur de la maladie de 20% des cas. Est-ce que tu peux nous expliquer? La maladie pyramidale, c'est qu'en fin de compte, on a une poussée, puis des fois, les autres personnes ont plusieurs poussées, et là, ça commence à devenir, pratiquement, tous les 2-3 mois, il y a une poussée, donc on est en secondaire rémitante. D'accord. Alors, ça se manifeste par des troubles de la marche, avec une fatigabilité importante, une spasticité, des réflexes exagérés au niveau des membres inférieurs, la présence d'un signe de Babinski, c'est quoi le signe de Babinski? Là, je vois pas. Tu sais pas, moi je sais pas non plus ce que c'est. Une abolition des réflexes cutanés abdominaux aussi. Alors, apparemment, en fin de compte, on a tendance à perdre beaucoup de muscles, donc les muscles en gros s'atrophient, et donc c'est grâce à faire de la kiné qu'on peut à peu près les entretenir. Voilà. Parce que je vois moi des spasmes ou des contractures musculaires, la spasticité, sont parfois douloureuses. Mais la douleur se calcule de 1 à 10. Donc quand on a mal, nous,
Je peux vous dire qu'on a mal et on aurait tendance tous les soirs, voire en 9. Sur une échelle de 10. Voilà. D'accord. Alors après, on me parle de la névrite optique, qui est rétrobulbaire, est également révélatrice de la maladie, dans près d'un tiers des cas. C'est le symptôme le plus évocateur. Il se manifeste pour le malade par une baisse d'acuité visuelle rapide et profonde, des douleurs oculaires et orbitaires, donc ça c'est sur les yeux, hein. Oui, tout à fait. Augmenté au mouvement des yeux, justement, un scotum central ou alors kéko central et un trouble de la vision des couleurs. Apparemment, on peut parler de dyschromatopsie de l'axe rouge-vert. En gros, j'ai dit heureusement, pour le code de la route, ça va être super entre le feu vert et le feu rouge, mais c'est pas grave. Mais ça, c'est plus daltonien, ça, moi, normalement. Dans les troubles de la vue, vision double, perte de vision complète ou partielle, habituellement d'un œil à la fois douleur lorsque l'on bouge les yeux, mouvement oculaire irrévolontaire. Ça dure. Hein. C'est un voile qui est devant un œil. Ces troubles sont causés par une névrite optique. C'est ça. C'est une atteinte du nerf optique. Donc, il constitue le premier symptôme dans environ 20% des cas. Ouais, c'est pour ça que je trouve ça horrible, c'est que ça touche le nerf optique. Et le nerf optique, c'est quand même quelque chose de très invalidant. Alors, autre trouble de la sclérose en plaques, c'est les troubles de la sensibilité. Oui, les troubles sensibles. Alors, on parle de la paresthésie, fourmillement, signe de l'ermite positif. Donc ce que j'ai dans les mains, par exemple aujourd'hui, là, quand je vous parle, j'ai toute la main gauche. Et le petit doigt et l'index le majeur de la main droite où vous avez une boîte de clous. D'accord. Ça fait des fourmis. Voilà. Et donc c'est marqué qu'il donne ces fourmillements de l'impression de décharge électrique. C'est ça, absolument. Ces derniers. Le long du rachis, précisons. Ressenti lorsque l'on bouge la tête. C'est le long du rachis lors de la flexion du cou. Confirme. C'est ça. On retrouve aussi parfois un syndrome chordonal postérieur avec des troubles de la sensibilité profonde et plus rarement une atteinte du faisceau. Alors je suis désolé au niveau des termes médicaux. Hein. Spinothalamique avec une anesthésie thermo-algésique. Ensuite, on parle aussi des douleurs de la face ou à l'opposé d'une anesthésie qui sont possibles en cas d'atteinte du nerf crânien dans sa portion bulbaire. Ça ne me dit rien du tout. C'est des termes médicaux. C'est ce qui définit les symptômes de la sclérose en plaques. Alors, cette maladie qui peut se manifester, là aussi, je pense que ça va te dire quelque chose, donc soit aussi un syndrome vestibulaire associant vertige rotatoire, nystagmus et ataxie. Ensuite, le syndrome cérébelleux, c'est les plaques. Sandy, je vais juste te couper. En gros, dans mon livre, j'aime pas pleurer sur le sort. Oui. La maladie vestie, machin, c'est qu'en fin de compte, on met nos affaires à l'envers. D'accord. Donc, on me l'a caché pendant un an. Et à un moment, je me dis, moi, je m'appelle le roi des Gobert. Ouais. Donc, t'as caché, comment ça, on te l'a caché pendant un an? Pendant un an, on m'a pas dit que je mettais à l'envers. On dit, oh, tiens, t'as oublié de, t'as mis, ta veste à l'envers ou un truc comme ça, mais on n'a pas dit que c'était dû à la sclérose en plaque. Ah bon, carrément. Ah ouais, d'accord. Ça faisait partie des symptômes. Ouais. D'accord. Oui, c'est quand même, attends, au bout d'un an quand même, faut pas exagérer. Bon. Peut-être qu'ils n'ont pas voulu t'inquiéter non plus. Mais bon, attendre un an. Alors le roi d'Agobert qui a mis sa culotte à l'envers. Hein. Alors, on parle aussi, toujours dans les manifestations. Une diplopie, alors je suis désolé, c'est que des termes égales, je le dis toujours, consistant en une sensation de vision dédoublée par anomalie des muscles oculomoteurs, généralement le droit latéral innervé par la sixième paire de nerfs crâniens, ça te dit quelque chose, une ophtalmologie internucléaire est possible en cas d'atteinte des bandelettes longitudinales postérieures, qui se manifeste dans le regard latéral par une adduction incomplète d'un œil associé à un nystagmus de l'œil en abduction.
Ensuite, on parle de troubles génitaux sphinctériens, je vais y arriver. Hein. Bah, tu peux dire uniquement incontinence, ça suffira largement. C'est pas de ma faute. Hein. C'est pas de ma faute, mais si on a des médecins qui nous écoutent, il faut dire les termes médicaux. Alors, c'est vrai que c'est pas facile à dire. C'est l'incontinence. Si, c'est pour ça que je te pose des questions, à quoi ça correspond. Parce que c'est... Alors, est-ce que dis-moi ce que c'est en fait, génitaux. En fin de compte, ça me touche la moelle épinière et qui touche le... Le muscle, je dirais du sexe, et qui permet de contracter, moi je peux pas. Ah oui, d'accord. Ah oui, mais justement, alors me parle que ça se manifeste par des mictions impérieuses, c'est-à-dire la constipation, excusez-nous, on est en après-midi, mais bon, l'impuissance aussi apparemment. Ce sont des troubles qui sont source de rétention aiguë d'urine aussi, oui, d'infection urinaire et de détresse psychologique qui sont une priorité thérapeutique. C'est ça. Ça n'est pas suivi par des médicaments qui essayent de nous garder le moral, c'est très 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 dur. Oui, parce que ça donne des envies pressantes, des difficultés à vider sa vessie, des infections urinaires, tous les soucis qu'on peut retrouver. C'est un sujet que tu m'as. Je me souviens, c'est un sujet que tu m'avais parlé de ça. Ouais, tu m'avais dit que on peut en parler, c'est important. Bien sûr. Que tu vois, tu avais des difficultés aussi par rapport. Comment on peut dire ça? En termes tranquilles, en termes simples, des muelles à uriner, quoi, en gros, c'est ça. Tu me l'avais dit, tu n'avais pas honte de dire, mais. Voilà quoi. Ça fait partie de la maladie. Alors, on parle aussi d'une paralysie faciale par atteinte du nerf facial dans son trajet protubérantiel, alors c'est-à-dire dans le tronc cérébral. Ensuite, on parle aussi de la fatigue, symptôme fréquent de la sclérose en plaques qui est parfois celui qui est le plus invalidant. Mais Sandy, je vais résumer très vite, c'est quand une personne normale est épuisée. Nous, c'est bien, on commence juste à être fatigué. Et fatigué physiquement, t'arrives pas, t'as plus de force, t'arrives pas. Il n'y a plus rien, rien du tout. Comment tu peux décrire tout ça en fait? Ben après, c'est un combat, après, c'est une force, après, c'est beaucoup de choses. Parce que t'es épuisé, quand une personne normale est épuisée, normalement, elle arrête. Mais nous, c'est bien, comme nos jours sont quand même comptés, mais on se doit, enfin, je me dois de relever le défi et d'essayer encore de tenir debout. Voilà. D'où pourquoi, on peut le dire, d'où pourquoi tu as aussi une canne pour tenir debout, on peut le dire ça aussi. Tu as des difficultés de rester debout aussi, surtout. Debout, j'ai un fauteuil roulant maintenant pour me déplacer, enfin bref, voilà. Toute la panoplie du bon handicapé qui normalement devrait se faire respecter mais qui ne se fait pas respecter. Justement, on en arrivera là-dessus tout à l'heure. On en parlera de ça. De comment est vue la sclérose en plaques parce que tu as pas mal de choses à dire là-dessus. Des petits coups de gueule, quoi, en gros. Mmh. Là-dessus, j'aimerais que tout ce qu'on a dit le 22 mars, on va en parler aujourd'hui, je pense. Donc, on va parler maintenant des troubles psychiques. Avec une modification du comportement sous forme de dysthymie, trouble de l'humeur. Et en fait, c'est-à-dire qu'on peut être soupi, d'un seul coup il y a un truc qui va nous énerver parce qu'on n'y arrive plus et qu'on y arrivait avant. Et comme ça, d'un coup, mais d'un seul coup. Et c'est incontrôlable ça ? Incontrôlable. Impossible. D'accord. Alors son origine ? Peut être consécutive à des lésions cérébrales liées à la sclérose en plaques affectant les zones du système limbique. Cependant, dans les faits, ces troubles sont la plupart du temps associés à un état d'anxiété sous-jacent engendré par l'incertitude de la maladie. Cet état d'anxiété chronique exacerbe les traits caractériels extrêmes. Il est par conséquent courant d'avoir affaire à des sujets irritables, de mauvaise humeur, voire agressifs. De même, une dépression est décrite dans près de la moitié des cas. Je vais te résumer tout court. On doit être à peu près 100 000. Tu peux te dire qu'il y a un couple sur... Le divorce, c'est une cause, les trois quarts des gens divorcent. À cause de la sclérose en plaques. Parce qu'on ne supporte plus, malheureusement. Ça, c'est terrible, ça. Ah ouais, c'est terrible, ça, ah je sais pas comment... Quand, en fin de compte, moi, j'ai la chance d'avoir ma femme qui me soutient, mais je connais des gens qui sont seuls. Et à vivre, c'est vraiment l'enfer. Et puis la solitude, et puis déjà l'exclusion. C'est pour ça qu'on en parlera tout à l'heure. C'est un peu le rôle de l'association, justement.
De Ensemble contre la, oui, la CEP. D'accord. On en parlera tout à l'heure. Alors, est-ce que tu veux rajouter quelque chose peut-être, René, là-dessus ? Non. T'as des infos là-dessus ? Sur les troubles, non. Non, je n'ai pas ça qui... la même. Alors, au niveau des causes de la sclérose en plaques, elles sont imparfaitement connues. Elles associent des facteurs génétiques. La famille d'un malade a plus de risques d'être touchée que la population générale. Donc, en gros, c'est génétique. Des facteurs environnementaux aussi. Les pays tempérés sont beaucoup plus touchés que les pays tropicaux, quelle que soit l'origine ethnique. Donc, peut-être en raison d'une diminution de l'exposition aux UV. Oui, Eric. En gros, ils ne comprennent pas, c'est que ça touche tous les pays du nord de l'Europe ou du monde entier. Ils ne comprennent pas pourquoi c'est au-dessus de Paris, par exemple, pour nous. Il y a plus de cas de Paris à Lille qu'il y aura de cas de Paris à Marseille. D'accord. Ils ne comprennent pas pourquoi c'est une source de froid qui va développer cette maladie. Ça devrait normalement être le contraire vu que la chaleur nous fatigue. Alors, juste, toujours là, dans ce sujet, à ce titre, on nous dit que chez les patients atteints de la sclérose en plaques, peut être trouvé un taux très élevé d'anticorps dirigés contre certains virus, en particulier la rougeole et le virus Epstein-Barr. C'est quelque chose pas. Non. Ensuite, la sclérose en plaques est donc une maladie auto-immune. Donc il y a l'activité anormale de certains anticorps dirigés contre la gaine et de myéline, des fibres nerveuses déclenchées après un événement probablement viral chez un sujet génétiquement prédisposé à la maladie. C'est ça, bah en gros viral, on ne débattra pas là-dessus, c'est encore un autre sujet, mais ouais, c'est dû à un truc, mais je peux pas le dire. La sclérose en plaques, en fin de compte, en 1995, ils étaient à peu près 9000 personnes. À l'heure actuelle, nous sommes 100 000 en 2012. C'est pour ça qu'il y a 2000 nouveaux cas par an. Voilà, il y a eu une campagne en 1995 sur une hépatite et voilà. Tu dis combien, 9000 ans ? 9000 en 1995. Et là, on est 17 ans après, on est à 100 000. Oui. C'est pas 2 000 par an, alors. Non. C'est un peu plus dans ce cas. D'accord. Ok. Yes. Alors, on parle aussi de lésions anatomiques. Alors là, on va y arriver. Ah, oui, René. Donc, moi, je disais, là, je vois par rapport au nord européen et pourquoi la périphérie épargnée vers l'équateur. Ils disent que c'est par ce phénomène et ces raisons gradiens, c'est la vitamine D produite lors de l'exposition du soleil qui pourrait jouer un rôle sur ce phénomène. Exact. Et aussi, elle signale qu'une personne, il y a un problème de thyroïde, de nature auto-immune, atteinte du diabète de type 1 ou d'une maladie inflammatoire de l'intestin, sont également des personnes plus à risque. Voilà. Alors, je te remercie, René, de m'en rappeler aussi que je suis diabétique. Voilà. Ah, ça, c'est encore plus dur. Alors, ça, c'est terrible, le diabète. Ah oui, c'est à cause de la sclérose en plaques ou c'est à part Au départ, j'avais une préposition au diabète. Bon, diabète 2. Diabète avec des médicaments. Maintenant, je suis en diabète 1 avec de l'insuline tous les matins, tous les midis, tous les soirs. D'accord. Voilà. Mais donc, c'est le déficit de la fameuse vitamine D. Ah, d'accord, ok. En plus. Ah oui, donc en plus, ça peut amener à un diabète. Ça fait peur, quand on entend ça. Il y en a beaucoup qui sont en plus. Est-ce que tu sais combien sont en plus atteints d'un diabète ? Non, je ne me rends pas compte. Non. Tu ne sais pas ? Il n'y a pas de chiffre là-dessus Parce que ça, c'est quelque chose qui n'est pas dit, par contre. En 2004, il y a une étude qui porte sur deux cohortes. 187 563 infirmières a révélé que les femmes qui prennent un supplément quotidien de vitamine D, 400 UI ou plus, je ne connais pas réduisent de 40% le risque d'être atteint de sclérose en plaques. D'accord. En 2006, une autre étude menée auprès des soldats américains a montré que ceux dont le taux de vitamine D était le plus élevé avaient un risque plus faible de développer une sclérose en plaques.
D'accord. Voilà. Donc cette vitamine D, elle est dans le sang, elle sous la peau. Voilà ce que donne cette vitamine sur le risque de la sclérose en plaque. Donc on est avant un ventement, tu veux que je devienne Dracula? Tu veux que je boive du sang? Non, c'est la circulation chiche. De la vitamine. Ah non, Dracula, ouais. Chiche. Alors, ensuite, on va parler des lésions anatomiques, donc comme je disais, donc elles consistent en des plaques plus ou moins étendues. Alors, je vais répéter, je vais retenter ma chance. Démyélinisation, j'y suis mieux arrivé là. Au sein de la substance blanche du système nerveux central, constituée de fibres nerveuses, c'est-à-dire de prolongements neuronaux, les axones. Alors, ces fibres nerveuses sont normalement entourées d'une gaine de myéline constituée par les oligodendroxyte. Ça te dit rien? C'est au niveau de l'axone, c'est le début du neurone, et qui est constitué de plus au niveau du nerf, avec les cellules de Schwann, c'est-à-dire celle-ci recouvre la gaine de myéline, qui est une couche lipidique formée par l'enroulement de la membrane plasmique de la cellule de Schwann. Bon courage pour les termes médicaux. Ouais. Voilà, c'est comme tu dis. Qui assume ce rôle dans le système nerveux périphérique, et j'aurais pu faire plus facile au niveau des phrases quand même, hein. Qui lui n'est pas touché par contre par la sclérose en plaques. Mais par contre, qui est détruite lors d'une poussée de la maladie, la gaine est détruite, mais l'axone est intact. Cette démyélinisation entraîne une... J'y suis arrivé, tu vois, il y a du progrès. Entraîne une altération de la conduction électrique dans l'axone. Ce qui aboutit à des signes cliniques variés qui apparaissent en quelques jours. La particularité de cette maladie et son évolution, marquée par des phases de poussée, et de rémission. Malheureusement, avec le temps, les nouvelles poussées cicatrisent moins bien et les altérations neurologiques finissent par ne plus régresser, constituant des lésions définitives. Voilà, c'est un peu ce que je t'expliquais, c'est que au départ c'est par poussée et comme après ça devient de plus en plus fréquent, c'est ce qu'on appelle secondaire rémitante. Ça veut dire que les gens ont beaucoup plus de poussées, ils peuvent rester au départ 10 ans. Bien ce coup, boum, on ne sait pas pourquoi, tous les 2-3 mois, ils ont des poussées. D'accord. Voilà. Alors, on a parlé de l'IRM tout à l'heure, ça tombe bien parce que j'y suis dessus. L'IRM représente le meilleur examen pour visualiser les lésions caractéristiques de la sclérose en plaques. Alors, on retrouve en séquence T2 des zones d'hypersignal, c'est-à-dire de taille variable, de forme arrondie, sans effet de masse sur les autres structures, disposées préférentiellement autour des ventricules cérébraux, dans la moelle et dans la fosse postérieure. En séquence T1, ces zones peuvent être en iso ou en hyposignal. Est-ce que ça te évoque quelque chose? Non. Pas du tout. Mais j'ai un cuisinier en face de moi, là, ça doit dire, pour la cuisine. Tu vois que ça fait une recette de cuisine, ça? ça, par contre, je le ferai pas. Non, je le ferai pas en cuisine, c'est sûr. Je vois qu'Eric a beaucoup d'humour aujourd'hui. T'es en forme là aujourd'hui. Déjà qu'avec moi c'est pas mal. Je me permets de. Là je suis en plein dans ton livre. J'essaye de voir. Ça on verra plus tard pour le livre. On verra ça en deuxième partie. D'abord on évoque les causes et conséquences de la maladie. Oui, René. Dans les conséquences de la maladie, je vois que... On n'y est pas encore, René. Hein. D'accord, mais quand on y viendra, on pourra dire que ce n'est pas une maladie héréditaire. Pourtant, ça a été dit tout à l'heure, ça a été dit le contraire. C'est bizarre parce que... Maladie auto-immune veut dire que tout le monde a la sclérose en plaques, qu'on la développe ou on ne la développe pas. Voilà. D'accord, je vois. Voilà. Alors, la ponction lombaire aussi. Ouais. N'est pas toujours indispensable au diagnostic. Elle a une intéressante valeur diagnostique lorsqu'elle retrouve un liquide céphalo-rachidien inflammatoire. C'est ce que j'ai. Avec un taux de protéines, alors tu nous expliqueras peut-être, avec un taux de protéines élevé, jusque là tout va bien, inférieur à 1 g par litre, la normale étant de moins de 0,1 g par litre. Et au sein de ces protéines, une proportion trop élevée d'immunoglobuline, plus de 14%, qu'une électrophorèse,
qui démontrera être de nature oligoclonale, c'est-à-dire constituée de plusieurs types d'immunoglobulines. Alors, je suis gâté aujourd'hui avec ça. Mais au niveau immunoglobulines, c'est facile à dire. C'est comme la démyélisation. Et enfin, on parle aussi de lymphocytose modérée, inférieure à 50 lymphocytes par millimètre cube de liquide céphalo-rachidien. Leur étude sur les potentiels évoqués retrouve fréquemment un allongement du temps de latence centrale. Maintenant, Eric, tu vas peut-être nous expliquer tout ça. Ben, je dirais que pour mon cas, qui fait de la chimio tous les mois, j'ai une prise de sang qui vérifie est-ce qu'il n'y a pas trop, que le glucose soit pas trop élevé, qu'il n'y ait pas, je dirais pas de... Je vois la leucocéphalopathie. À tes souhaits. Focale progressive. Donc, justement, il y en a certains qui te sont. Parce que tu viens d'évoquer le mot chimio. Oui. Justement, il y en a certains qui doivent se dire, mais pourtant la chimio c'est sur le cancer normalement. Alors peut-être que tu dois expliquer. La chimio, c'est bon, il y a plusieurs variétés de chimio. La mienne est la plus dure. Elle est là pas pour soigner, elle est là uniquement pour ralentir l'évolution. C'est ça, voilà, donc de la maladie. Après, on peut aborder aussi tous les traitements de soulagement. Et pourtant, ça ralentit le truc, mais c'est pas considéré comme un cancer quand même. Non, qu'on soit bien d'accord là-dessus. Les doses sont quand même moins élevées qu'un cancer, mais ma fréquence est une fois toutes les 6 semaines. Et là, je vais passer maintenant à une fois par semaine avec une autre sorte de chimio que j'avais avant. Et parce que ce que je voulais dire aussi, c'est pas mortel, la sclérose en plaques. Ça dépend des cas, peut-être, c'est ça. Qu'est-ce qu'on veut dire par mortel? Malheureusement, comment te dire ça? Un cancer, on peut en mourir. C'est ça, quoi, en gros. Autant une sclérose en plaques, on ne meurt pas de la sclérose en plaques, mais on meurt de... Des maladies... Entre guillemets, la fatigue. Mais ça dépend de l'évolution peut-être aussi, c'est ouais, ça d'accord. Selon l'évolution, la durée de vie... Moi, je sais à peu près avoir calculé mon temps de vie encore qui me reste. Bah, j'espère plus longtemps possible quand même. 2 ans, 2-3 ans, grand max. Ah oui, quand même. Mmh. Ah mince. Ça fait un coup quand même. C'est comme ça. Mais attends, avec les médecins et avec la médecine, il peut y avoir encore dans les 2 ans à venir du progrès, on ne sait jamais. Donc, peut-être, faut espérer. Faut espérer, franchement, faut regarder, rester positif et c'est ce que. Ça, faut garder là-dessus l'espoir qu'un miracle se produit. Hein, de toute façon, la médecine est là pour ça. Absolument. C'est pour ça qu'on en parle. Là, je vois pour soulager les douleurs, il conseille de la marijuana. Alors, là-dessus, tu sais ce que je pense, hein. La drogue, moi, niette, quoi. Mais franchement, ça fait du bien, ça. C'est une étude canadienne que j'ai. Mais là-dessus. Alors, bon, il faut savoir que moi, j'ai deux médicaments. Enfin, j'ai de la morphine. Oh là là, ça c'est terrible ça. J'ai de la morphine pour calmer la douleur de la jambe. Ouais. Et au lieu de prendre de la morphine, je prends ce que René vient de dire. Et tu vois, et t'arrives à conduire et t'arrives à venir. C'est impressionnant avec la morphine derrière. Je sais pas comment t'y arrives. Et ça, pourtant, ça te fatigue pas, ça t'épuise pas plus non, que ça. Non, ça te rend complètement en stone. Ouais, c'est un petit peu ça, ouais, voilà, c'est ce que je voulais dire. Et t'arrives. Donc, c'est pour ça que, comme dit René, même si t'es contre. Je suis contre la marijuana, attention. La marijuana peut, des fois, au Canada, malheureusement, ouais. Peut calmer les douleurs. Voilà, alors, ça, à la limite, voilà. Si c'est canadienne pour le soulagement de la maladie. Ouais, Marc, tu vas me dire, la morphine, c'est pas mieux, c'est une drogue. Oui. C'est une drogue. Donc, c'est forcément, ça revient pareil. C'est pour ça que la marijuana est conseillée, est autorisée dans certains pays en termes thérapeutiques. Comme le Canada, les États-Unis. S'autoriser par la sclérose en plaques d'avoir 2,5 grammes par personne. 2,5 grammes. 2,5 grammes. Ça fait partie des traitements. Si ça peut soulager une maladie, là je dis oui. Là je dis à terme médical, là je dis oui. Mais quand c'est pour autre chose, voilà. Ça soulage les jambes. Moi je ne prends pas de morphine, dis bonjour à Bob Marley. Et donc, qui est juste derrière toi d'ailleurs. C'est ça, donc soulager les nombreux symptômes, la fatigue, les spasmes musculaires, la douleur, les dysfonctions sexuelles,
et les troubles urinaires, voilà tout cela que soulage ces traitements. Il y en a plusieurs, je les ai là. D'accord. Alors au niveau des formes, là aussi peut-être que tu vas m'aider. Voilà. Alors j'ai trois formes. Donc il y a la forme récurrente rémittente, c'est-à-dire exacerbation alternant avec des rémissions lors desquelles on observe une reprise partielle ou totale ou une stabilité des symptômes. Les rémissions peuvent durer des mois ou des années. Les exacerbations peuvent survenir spontanément ou être déclenchées par une infection comme la grippe. Oui, René, tu voulais dire quelque chose, je crois. Non, tu avais raison, il y a trois formes. La forme rémittente. Là, j'ai la forme primaire. La forme primaire. Et la forme secondaire. Alors, la forme progressive primaire, donc c'est la maladie qui évolue progressivement sans rémission. Mais il peut y avoir plateau temporaire pendant laquelle la maladie ne progresse pas. Contrairement à la tendance cyclique, il n'y a pas d'exacerbation claire. T'as peut-être autre chose là-dessus, René? Il y a le cancer de 10% des cas. Oui. Contrairement à la forme rééminente, donc il n'y a pas de véritable poussée, bien que la maladie puisse s'aggraver par imitant. Cette forme apparaît généralement plus tard dans la vie, aux alentours de 40 ans. C'est ce qui m'est arrivé. Et donc, apprendre à vivre heureux, c'est voilà. C'est ce qui m'est arrivé. À 40 ans, m'a annoncé la scorzone. Là, on parlera des trois formes. Tu nous diras où est-ce que tu en es. Mais je suis là. Tu vois la forme primaire, hein, c'est ça, ouais, progressive primaire, ça, d'accord. Alors la secondaire, c'est cette tendance qui commence avec des rechutes alternant avec des rémissions, suivie par une progression graduelle de la maladie. Voilà, on est peut-être autre chose. Oui, non, c'est aggravé donc de façon continue. C'est une forme donc de poussée plus intense. Elles sont pas suivies de rémissions franches, mais le handicap s'aggrave peu à peu. La plupart des personnes qui souffrent de cette forme de rémittence présenteront donc une forme progressive dans les 15 ans qui suivent le diagnostic de la maladie. Très bien. Voilà ce que j'ai. Tu veux dire quelque chose là-dessus, 15 ans, Eric? Non, rien à dire. Je veux dire, c'est la deuxième après la poussée, parce que par poussée, mais les gens, souvent maintenant, au bout de 10 ans, ils ont ça. Alors, justement, on va y arriver au terme de la poussée, on va évoquer ce que c'est. Au niveau de l'évolution, tu vois, on a posé la question juste avant, donc l'évolution est très variable entre les individus. Elle est généralement lente, sur plusieurs décennies. Elle se fait typiquement par poussée régressive. La seconde poussée survient dans la moitié des cas, moins de 2 ans après la première manifestation de la maladie. Avec le temps, les rémissions sont moins complètes, aboutissant à des séquelles fonctionnelles. La perte de la marche survient en moyenne 20 ans après le début de la maladie. L'espérance de vie, alors là on y est justement, l'espérance de vie est comparable à celle des sujets sains. La sclérose en plaques n'est généralement en aucun cas mortelle, vous voyez. Rares sont les décès, souvent dus à une infection causée par les problèmes qu'engendre la maladie. Non, on a la question. Comme ils disent, dans ce traitement des formes progressives, il ralentit des processus à l'aide de perfusions mensuelles, de cyclophosphamide, endoxan, c'est un produit. C'est ce que j'ai. Voilà, donc ces perfusions permettent donc de ralentir et de soulager parmi ces traitements. Quoi. Voilà. Alors maintenant, on va passer au traitement. Donc on va passer à donc le plus courant, la poussée. Donc les poussées évoluent naturellement vers la rémission spontanée. Si elles sont invalidantes, elles peuvent recevoir un traitement par corticostéroïdes. Alors c'est les fameux cortisones, je crois, peut-être. Qui permettent de raccourcir leur évolution et de hâter la guérison, mais pas de prévenir une autre poussée. L'hospitalisation en service de neurologie n'est pas indispensable, mais fortement conseillée du fait que des symptômes engendrés par la cortisone, particulièrement lors de l'arrêt du traitement pulsion suicidaire, douleur entre autres, la corticothérapie se fait à dose élevée, c'est-à-dire 1000 mg par jour par voie intraveineuse pendant 3 à 5 jours. Excuse-moi, j'en ai juste un exemple, un cheval qui est mort depuis 10 secondes, tu lui donnes des corticoïdes comme on a, le cheval se remet à galoper. Ouais. D'accord. Ah oui, ah, possible. D'accord, ouais. Moi, je vois parmi un exemple de corticoïde, la méthylprednisone.
produit, la quoi? La méthyl, un exemple donc employé oui. Qui est le plus employé donc des corticostéroïdes. J'en arrive après. Ils expliquent la méthyl prednisone. Voilà, c'est voilà. Dur à dire tout ah, ça. Ouais. Ouais, alors justement, on parle de corticoïdes. Tu parlais de corticostéroïdes ouais. Qui sont parfois prescrits en relais par voie orale pour environ 3 semaines. Ouais. Associé à des mesures de prévention des effets secondaires des corticostéroïdes, j'ai pas de chance moi. Mmh. Régime des OD, supplémentation en calcium, en potassium, en vitamine D, on a dit tout à l'heure. Ouais, ouais. Surveillance du poids aussi, voilà. De la pression artérielle, de l'humeur, de l'état cutané. Le poids pour te dire, tu manges 1 gramme de sel quand tu as une cure de corticoïdes, mmh. Tu prends à peu près 1 kilo. Voilà, c'est pour ça qu'elles sont utilisées sur de courtes durées, ah oui. Parce qu'elles provoquent des effets secondaires importants à long terme dans le style de ostéoporose, hypertension, etc. C'est la troisième maladie que tu as trouvée, René. Ouais. Alors, surveillance du poids, c'est-à-dire qu'on prend du poids, c'est ça. Hein. Et au niveau alimentation. Très attention, c'est-à-dire que quand on est en cure de corticoïdes, il faut pas 1 gramme de sel. Mmh. Pas 1 gramme de sel. Non. Plus le diabète, ça veut c'est le pour sucre. Ça qu'il y a, c'est pour ça qu'il y a une vedette très connue qui a atteint la scorzampal, mais lui, je pense qu'il mange des repas avec sel. Voilà, et donc ils sont. Si mon regard, c'est qu'il devient de plus en plus gonflé. Ce que tu appelles sel, c'est-à-dire le sel, c'est-à-dire pas beaucoup de sel, mais c'est vrai qu'il y a des légumes qui ont des. Ils ont du sel, ouais. Mais au niveau de l'alimentation, c'est-à-dire. Le pain sans sel, les légumes sans sel, tout sans sel. Ouais. Plus sans sel, crois-moi, c'est dur, c'est pas évident à manger. Mais c'est dur parce qu'il y a ça, mais il y a à côté, excuse-moi, dans ton cas, il y en a d'autres sûrement aussi, le diabète en plus à côté, le sucre, c'est impressionnant. Et en plus, il y a, comme a dit René il y a 5 minutes, hypertension. L'hypertension, ça, c'est moi, j'ai fait de l'hypertension aussi. La tension artérielle, alors ça, c'est tout. Ça veut dire que j'ai 4 cartes de 100%, il m'en manque une seule et après je peux jouer au 1000 bombes. Ouais, j'ai 400%. Malgré ces effets secondaires, cette corticoïde qui est prise en général par perfusion, elle permet quand même de raccourcir la durée des poussées et c'est un des moyens de ralentir cette progression-là. Mais elle te fout en l'air le diabète. Mais voilà, l'hypertension, parce que c'est quand même contradictoire, parce qu'à la fois tu te sens faible physiquement, mais tu as de l'hypertension à côté. C'est dû à quoi ça? C'est pas lié. Pas du tout lié. Non, c'est ça qui est bizarre. C'est encore une chance que la vie m'a donnée de voir diabète, tension, sclérose en plaques. Et l'hypertension, ça vient de quoi l'anxiété? Ça vient de quoi en fait? Non, ils ont jamais su expliquer. Ça peut être, héréditaire, ce qui n'est pas le cas. Non. Puis voilà. Non. C'est étonnant. Hein. Ah oui, c'est étonnant. Ça fait partie des effets ressentis dans le traitement des poussées. Alors, deuxième traitement, alors je ne sais pas si ça te dit quelque chose, le traitement de fond. Ouais. Alors, l'interféron bêta et l'acétate de glatiramère, je vais y arriver. Voilà, je vais uniquement t'arrêter, comme ça va être interféron égal que tu vomis, c'est une sorte de chimio. Mais malheureusement, les gens la supportent très mal. Voilà, moi je vois 3 types de traitements de fond. Les immunodulateurs, les immunosuppresseurs et les inhibiteurs sélectifs molécules d'adhésion. Alors, qu'est-ce que c'est que tout ça? Il faut peut-être expliquer. Voilà, ce sont des traitements qui réduisent l'activité du système immunitaire. D'accord. Donc, ralentissent la destruction de la myéline. D'accord. Voilà, on est toujours dans la déminéalisation. Alors, dans les formes sévères, il peut être proposé d'utiliser les immunosuppresseurs, oui. Parmi lesquels la mitoxantrone, plus efficace chez les corticoïdes, mais qui comporte beaucoup plus d'effets secondaires. La prise en charge sociale et psychologique est nécessaire.
par intégration à des groupes de malades, maintien d'un emploi ou besoin d'adaptation du poste de travail, psychothérapie, traitement d'une dépression ou d'un état anxieux. Tiens, tu vois, on y arrive, l'état anxieux. Donc la prise en autre chose aussi, la prise en charge kinésithérapeutique, la kinésithérapie bien sûr, est primordiale. Juste pendant la formation, tu vois, j'en fais 5 heures par semaine. Ouais. 5 heures par semaine. Ouais. C'est très oui. Au niveau de pour que tu puisses tu ouais, uniquement pour que je puisse marcher. Voilà, tu m'as expliqué. Alors, marcher quoi, 50 pattes, 100 mètres grand maximum. Alors dans ton cas, on peut en parler parce qu'on en parle beaucoup, on en a parlé tous les deux de ça. Tu portes sur toi dans les chevillères. Oui. Alors de combien de grammes tu m'as dit la dernière fois, 500 grammes je crois. Des plans de 500 grammes au niveau des chevilles pour me tenir debout. D'accord. Pour pas que je bascule. D'accord. Et il y a autre chose pour... Il y a que ça. Il y a étirement, il y a vélo, il y a... Un peu de sport, quoi. De la cure, peut-être, aussi, non ? Ben, la cure thermale. Non, j'en ai pas encore fait, mais... Cure... Non ? Tout ce qui est... Si, si, de la cure. La cure, les cures thermales, c'est pas mal, ça, aussi. C'est tout ce qui est l'aide à travailler le muscle, à travailler à son soutien, à son développement, de façon à ce qu'il y ait une bonne assise et une bonne utilisation de ses jambes. À la seule différence pour le moment, je ne nage plus, je ne viens plus debout. Donc, dans une piscine, je me vois mal être dans une piscine. Ah oui, voilà, oui, oui. Après, bon, c'est des bassins où tu peux t'asseoir et puis faire du vélo, vélo-piscine, moi, je dirais. Ouais. Voilà, t'es assis, c'est dans des formes de traitement de rééducation où on trouve ce genre de kinésithérapie, quoi. Alors, concernant toujours dans les traitements, mais cette fois dans les médicaments, alors, tu me dis si ça te dit quelque chose, tout ça. Alors, le rituximab. Non. Non, alors c'est quand même un anticorps monoclonal permettant de faire baisser le nombre de lymphocytes B, qui aurait également une certaine efficacité sur l'évolution de la sclérose en plaques, ce qui est également un autre argument sur l'origine immunologique de la maladie. Alors moi, je vois des immunodulateurs. Ce sont des molécules de la famille des interférons, bêta. Ce sont des médicaments qui sont injectés par voie intramusculaire, comme l'Avonex. Une fois par semaine, et le Rebif qui est injecté aussi par voie sous-cutanée, trois fois par semaine, l'interféron, bêta-séron, Extavia, tout ça ce sont des médicaments injectés par voie sous-cutanée tous les deux jours qui sont des substances produites naturellement par le corps pour inhiber la multiplication et stimuler l'activité de certaines cellules immunitaires pour leur donner... pour réguler cette. Pour diminuer plutôt la fréquence des poussées de 30% environ. Alors de mon côté. De mon côté, j'ai aussi le naltrexone, qui est une molécule antagoniste. Alors pourtant, c'est ce que je vois. Hein, qui est une molécule antagoniste compétitive des opiacés. Elle a été synthétisée pour le sevrage des toxicomanies aux opiacés. À la posologie de 50 mg par jour et qui est approuvée par la FDA, c'est aux États-Unis, ça. Ouais. Alors ensuite, René. Après, donc, j'ai aussi des contre-indications, malheureusement, par rapport à cette prise de médicaments, les interférons donc, de ces substances produites, ils amènent souvent un syndrome pseudo-grippal, fièvre, frisson, maux de tête, douleurs musculaires. Quelques heures après l'injection, durant les trois premiers mois de ce traitement, il y a comme effet autre secondaire une atteinte du foie, qui est plus ou moins réversible, assez fréquente, et généralement, mais bon, c'est bénigne. Voilà, donc tout cela, ce sont les contraintes de ce traitement de médicaments. Alors après, de mon côté, pour finir, j'ai d'autres trucs. Alors le fumarate, le lacinimode, le fingolimode, l'alemtuzumab, le fompridine ainsi que le teriflunomide. Alors ce sont des médicaments qui sont courts d'essai. Voilà, et moi je vois encore que le médecin peut prescrire de l'acétate de glatiramère. C'est du copaxonel, tu l'as dit. Ouais. Voilà, c'est un autre immunomodulateur. Et sa médecin quoi, le médecin neurologique ou un médecin traitant? Médecin traitant. Pas neurologique.
par le biais de, d'un neurologue automatiquement. Mais, et donc ceux-là peuvent interférer, ces injections de provoquer des réactions inflammatoires locales, rougeurs, douleurs. Et le dernier médicament, c'est la vitamine D3. Ah. Non plus. En fait, ils auraient pour effet d'améliorer la glycolyolisation des protéines qui est impliquée dans la reconnaissance du soi et du non-soi par le système immunitaire. Bon. Non, ça veut dire du sucre dans l'aliment directement. C'est ça. Glucose, c'est égal. Glucose, c'est le sucre, de toute façon. Donc, la glucose. Donc, c'est ça. Alors, j'ai un autre. En fait, le mot, c'est l'acétylglucosamine. Voilà. Ça s'appelle comme ça, sinon. Alors, après, on parle de voies parasitaires. C'est la présence des vers intestinaux qui montre une certaine amélioration des paramètres biologiques et d'imagerie. Voilà. Elle permettrait soit de détourner l'action auto-immune des globules blancs, contre les parasites plutôt que contre le propre système nerveux du patient. Tu parles de la Nathalie. Non, là je parle de la voie. Là, je suis en train de parler de la voie parasitaire. D'accord. Qui soit de faire bénéficier indirectement l'organisme du patient des substances produites par les parasites pour se faire oublier de son système immunitaire. Donc c'est plus sur les auto-immuno, parce qu'on appelle ça l'auto-immunodéficience acquise. Tu vois les immuno. Dans ce genre-là, ouais. C'est l'auto, mais ouais, c'est l'immunodéfiant. L'immunodéfiant. C'est plutôt ça, ouais. On va le résumer par ça. Défense immunitaire, on va dire, c'est plutôt ça, en termes courts. René, quelque chose ou pas ? Oui, je vois qu'il y a à l'horizon de nouveaux médicaments qui sont en cours de réflexion, comme le Ginlenzab. C'est le fengolimode. Alors, je vais uniquement vous couper, excusez-moi. Non, vas-y, Eric, n'hésite pas. Ce qu'ils envisagent dans 2 ans, et Sandy, excuse-moi. Ah, oui, n'hésite pas, Eric. Faire des médicaments qui sont faits à base de cannabis. Ah oui, effectivement, d'accord. Voilà, oui, par rapport à la marijuana. Ils envisagent aussi de faire des greffes de cellules souche au niveau de la moelle épinière. C'est en cours, ça? C'est pas encore fait, c'est pas encore dans mis en place, deux ça ans. Pas avant. Dans 2 ans, à peu près. À peu près. D'accord. C'est en cours de traitement, de travail et d'évolution. Là, ils sont en train de faire tous les tests, justement, pour savoir si c'est fiable au niveau, à l'échelle humaine. Alors, pour finir, avant qu'on passe au sujet suivant, hein, il y a 4 heures passées. Au niveau prévention, donc en France, de nombreuses associations, on y arrivera après avec Ensemble contre la SEP. Donc il y a de nombreuses associations qui participent à la lutte contre la sclérose en plaques et qui ont regroupé leurs efforts en créant l'UNICEP. Oui, voilà, c'est tout ce qui est accompagnement autour de cette maladie, et pour que les sépiens aient une très bonne prise en charge, bénéficient d'un accompagnement remarquable, parce que vous le comprenez, c'est assez douloureux, et il faut qu'il y ait un travail de fait d'accompagnement autour de la SEP pour diminuer et soulager ces traitements. Ensuite, chez nos voisins, en Belgique, il y a une association de patients et de médecins qui a mis sur pied un programme de soutien sportif qui est baptisé BESEP, B-E-S-E-P, pour accompagner les personnes atteintes de la sclérose en plaques. Ouais. Et d'autres aussi pathologies chroniques à côté, comme la maladie de Parkinson et la fibromyalgie. Ensuite, en Allemagne, il y a environ 122 000 cas en Allemagne qui sont déclarés en 2008-2009. Ensuite, ils ont lancé le 21 juillet 2009 un réseau de compétences sclérose en plaques après qu'un comité d'experts internationaux a sélectionné 3 projets. Alors, c'est en allemand, je crois. Alors, Understand, DMS, Control MS et Children MS, coordonnés par des chercheurs de l'université de Bavière. Là. Et au Canada, la Société canadienne de la sclérose en plaques, c'est la SCSP qui lutte contre la maladie. Voilà. Donc, c'était chez nos voisins. Voilà, j'ai fait le tour. Donc, si tu veux dire quelque chose, est-ce qu'il y a des choses qui manquent? Je dirais que c'est une partie qui est très délicate à expliquer parce qu'il y a beaucoup de mots,
malheureusement, qui ne sont pas évidents à expliquer. Ah, ça, je confirme. Pas facile à prononcer non plus, je précise. Moi, j'aurais un gros souhait, c'est que la recherche avance beaucoup plus vite. Et c'est vrai, c'est pas facile, parce qu'ils travaillent, travaillent, travaillent. Et c'est pour ça qu'il y a la fondation, l'ARCEP, qui finance de vaincre cette maladie et qui accompagne les chercheurs pour éradiquer, pour diminuer cette évolution des plaques et ralentir les poussées. Quoi. C'est quand même l'impression d'avoir un cas toutes les 4 heures. Ah oui, c'est ça. C'est la folie. On se rend compte d'un cas toutes les 4 heures. C'est énorme. Qu'est-ce qu'on est, au niveau de ton parcours, parce qu'on va parler un petit peu de toi maintenant, de ton parcours au niveau de la maladie, est-ce que tu peux nous dire comment tu l'as connu, quels ont été les premiers symptômes, je dirais, moi, atteint de la sclérose en plaques primaire progressive, en fin de compte, les symptômes, je les ai eu que 5 ans après. Ça va, Lionel? Ouais, ça va, doucement, doucement, on va dire. Oui. Ouais. Bon, t'as écouté depuis tout à l'heure aussi? Oui. Alors cette fois, toi, tu connais pas Eric, donc toi, j'espère que tu pourras poser des questions cette fois. Oui, et puis je voulais surtout dire que je suis assez, surpris, enfin pas surpris, mais comment dire, j'arrive pas à trouver mes mots en plus parce que c'est assez poignant. Je suis assez touché par la pêche que Eric a malgré cette maladie. Et je trouve que franchement c'est fort quoi, c'est très fort quoi. Je veux dire de garder un moral d'acier de vaincre ça quoi, parce que je sais que c'est une maladie qui n'est pas simple. Et qui n'est pas facile à vivre sur la vie de tous les jours. Mais tu sais, quand on a 47 ans comme moi, je crois que où on dit on se bat ou on se bat pas. Donc moi j'ai choisi de me battre. C'est fabuleux, c'est cette force là quoi. C'est gentil à toi. Voilà, c'est vrai qu'on n'a pas l'occasion de se connaître, mais je voulais au moins avoir ce coup de fil par rapport à ça. Quoi, tu veux lui poser une question ou pas au passage, Lionel? Non, parce que j'ai pris le truc en cours de circuit, parce que moi je reviens d'un moment très dur. Donc, alors dans ce cas, c'est moi qui vais te poser la question. Est-ce que tu as déjà entendu parler de cette maladie? Alors oui, la sclérose en plaques, j'en ai entendu parler, mais bon, pas sur tout le fond, quoi, on va dire. J'en ai entendu parler comme ça, un peu aux infos, tout ça, quoi. Donc après, je sais pas trop sur quoi elle agit, sur quoi, voilà, quoi. Donc, je sais pas exactement les symptômes de cette maladie-là. Donc, Alors on en a parlé tout à l'heure, t'écouteras en podcast. Bah, on ne couvre pas tout à l'heure. J'ai une question à te poser, Eric. On en a parlé de ça. Est-ce que c'est une maladie qu'on parle souvent dans les médias, En France, non. Est-ce que c'est pas parce qu'elle n'est pas évoquée, non? C'est un tort. C'est dommage. Ça franchement, moi je trouve ça dommage parce que c'est une maladie quand même. Je comprends pas. C'est quand même la première, même deuxième maladie neurologique, et on n'en parle pas. Alors que c'est grave, quoi. C'est quand même, c'est grave. C'est quelque chose. C'est un sujet qui me tient à cœur. Bon, à part au Téléthon, je pense quand même que ça on parle souvent. Et lors de la journée du 30 mai, on en parle. Et puis c'est comme toutes les, comme toutes les autres maladies, quoi. Oui. Comme dit René, c'est à chaque fois, on en parle, mais quand il faut. C'est-à-dire, c'est des trucs qui restent exceptionnels. Donc, c'est-à-dire, aujourd'hui, c'est la journée de la maladie ou je ne sais quoi. Alors ça, c'est la semaine pour l'instant, et la journée mondiale, c'est mercredi. Mercredi. Voilà. Et la semaine. Là, c'est la semaine de sensibilisation du 23 mai. On est en plein dedans. Du 23 mai jusqu'à mercredi. Jusqu'au 30, Je vais en arriver à ton livre, parce que d'abord je voulais parler de ton parcours, de comment tu as connu la maladie, comment tu l'as su. Donc tu l'as su, tu m'as dit, en 2006. En 2006, en fin de compte, parce que j'avais un ami qui a eu une phlébite. Tu voulais dire quelque chose, maman? Ah, excusez-moi, on est en famille, je dis maman, j'appelle pas ma mère Julie, c'est normal. Donc tu veux dire... Je voulais dire donc quelque chose que j'avais dit à Sandy hier, une émission sur la sclérose en plaques, ça ne m'intéresse pas du tout. Oui, je suis franche. Et bon, donc à 15h, je me suis branchée. Et bah, écoutez, je suis toujours branchée parce que je suis vraiment époustouflée. Je suis époustouflée par le courage d'Eric. Merci. Et bon, par la maladie elle-même aussi, que je ne connaissais pas. Hein.
enfin, je suis pas époustouflée par la maladie, je suis curieuse d'entendre tout ce qui se dit. Ouais. Et puis je voulais rendre un hommage, excusez-moi, parce que je voulais dire quelque chose, j'avais préparé mon texte, mais je dis n'importe quoi là. Non, non, c'est au contraire, ça va. Non, t'inquiète pas, on sent bien l'émotion. Ce que je voulais saluer, c'est remercier Eric pour la leçon de vie qu'il nous donne à tous. Ouais. Vous voyez, je suis très, très émue. Par... Vous voyez, je ne voulais pas écouter l'émission, et il m'a vraiment émue, quoi. Je suis très, 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 très émue. Par Eric. C'est gentil. La leçon de vie qu'il nous donne, le courage qu'a son entourage, puis le courage qui est normal. Moi, je dis, c'est normal que l'entourage soit là, ne lâche pas prise. Et puis voilà. Ce qui m'a énormément touchée, c'est quand Eric dit qu'il a compté qu'il lui reste à peu près 2 ans. Moi, j'ai envie de dire à Eric que la médecine fait des progrès tous les jours. Et puis, 2 ans, ça sera peut-être 3, 4, 5, 10, 15, 20. Faut espérer. Ben, prions que ça soit le plus tard possible. Ouais. Ouais, j'espère aussi, parce que là... Alors, voilà. Eric, j'espère qu'on va y arriver. Oui, on va y arriver. Donc, est-ce que tu veux... Alors, on a dit que bon, ça, tu t'es déclaré en 2006, ouais, de, voilà, après. Après 27 examens, exactement. D'examens. Entre les IRM, les scanners, on découpe un morceau de bouche, on met des électrodes dans le cerveau, on sonne la moelle épinière. Enfin, en tout, il y a 27 examens. Pour déceler... En combien de temps? Tout ça en 4 mois. 4 mois, oui. D'accord. 4 mois, 27 examens, et donc il prélève un petit bout de peau sur les lèvres, sur la lèvre inférieure, si je ne me trompe pas. Et voilà, c'est comme ça qu'ils arrivent à déterminer par rapport à certains tests qu'ils font après... Ça permet de découvrir les degrés de la maladie, les traitements qui sont les plus appropriés, et puis voilà quoi. Là, j'ai oublié, c'est aussi savoir calculer le taux d'incontinence. Également, ouais. D'accord. Qui fait certains examens entre celui-là et celui de la moelle épinière, c'est, je dirais, les deux examens qui font vraiment très très mal. Il y a un autre sujet que je voudrais aborder avec toi, c'est un sujet qu'on a en commun, qu'on a beaucoup parlé au 22 mars, c'est sur le regard des gens. La façon qu'ils rejettent les gens sur les gens. Tu vois ce que je veux dire? Là, oui, le regard ça, de l'autre. Voilà. Alors, j'aimerais qu'on en parle de ça, parce que c'est un sujet qui me tient à cœur, et j'aimerais que le coup de gueule par rapport à ça, qu'on a parlé tous les deux, que tu en parles. Ben, je dirais que sans faire de la publicité, le coup de gueule va arriver d'ici peu de temps, étant donné que je vais écrire un deuxième livre où je vais me lâcher. Quand j'irai, je vais me lâcher. C'est que je vais balancer sans si sans nommer. Mais tout le monde a le droit de vivre. C'est pas parce qu'on est en fauteuil, c'est pas parce qu'on est debout, c'est pas parce qu'on est cheveux jaunes, c'est pas... Non. Ouais. Handicapé. Je comprends pas. C'est pas parce qu'on a une différence sans qu'elle se voie qu'on n'a pas le droit de vivre en tant qu'être humain, et c'est ce que je dis à chaque fois. Puis je comprends pas. On n'a pas le droit de juger une personne, que ça soit par son apparence physique, par rapport à sa santé, par rapport à sa sexualité ou par rapport à autre chose. On n'a pas le droit de porter de jugement. Justement, comment il y a quelque chose qui me dégoûte, c'est comment il y en a qui se permettent de rigoler. De rigoler quand il y a des gens qui sont handicapés, que tout ça, ça me dégoûte de voir un truc pareil. Non, on ne rigole pas des gens qui sont handicapés, ce n'est pas drôle. Non, c'est pas ça, c'est que ça peut leur arriver du jour au lendemain. Peut-être, mais c'est quelque chose. C'est quelque chose que je ne comprends pas. Je n'arrive pas à concevoir des gens qui se moquent, qui rigolent sur les personnes handicapées. C'est inconcevable. Je ne sais pas si tu as vécu ça. C'est pour ça que ce prochain livre. Tous les jours. C'est terrible, quoi. 2-3 fois par jour, Cécile, c'est ma petite, dès que je marche un tout petit peu, tiens, il a bu, parce que j'ai mal aux jambes, je conduis tant bien que mal, les gens, je vais pas assez vite pour eux. Oui, ils portent des jugements trop actifs sans te connaître. Quand j'ai fait voir ma carte d'handicapé à plus de 80%, on m'a dit, vous voulez voler où?
Non. Mais si. On t'a dit jusque-là. Mais la carte d'invalidité, tu veux dire de la MDPH, d'accord. C'est abusé. Franchement, c'est abusé. Tu l'as volé où? Oui. Donc on te prend pas pour un malade en plus. Excusez-nous, les auditeurs, on te considère même pas comme quelqu'un qui est malade en fait. Je suis bronzé. Et bien alors, je vois pas le problème. Les gens, voilà, uniquement, je suis bronzé, je suis en pleine forme. T'es voleur, t'es catalogué, disons que t'es catalogué, t'es jugé, sans que les personnes puissent te connaître avant. Et ça bon, tu sais ce qu'on appelle ça? On appelle ça de la discrimination. Je tiens à te le dire. C'est un non-respect de la personne humaine. C'est tout. C'est un coup, moi aussi un coup de gueule parce que même si j'ai pas quelque chose aussi grave que toi, je le vis aussi. Et je pense à toi, Pierre, là-dessus. Et je n'arrive pas à comprendre ça. Et regarde dans son livre ce qu'il dit. Bonjour monsieur, la place que vous bloquez, elle est réservée aux handicapés. Mais je ne sais pas lire, lui répond-il d'un ton rock. Il y a un dessin, vous pouvez vous garer plus loin, je suis handicapé. Et alors il répond, j'en ai rien à foutre. Oh là là. Et donc c'est vrai que ce nouveau livre qui va. On parle des places réservées de voitures. Oui, places réservées. Ouais. Donc ce nouveau livre qui va écrire, c'est cette colère qui rentre en lui, qui va pouvoir exprimer, qui ne soit plus étranglé. Et donc ce sera un autre partie de lui-même. Donc cette couleur pourra s'extérioriser par ce nouveau livre et éviter que ces coups de pignouf de la pire espèce qui lui évitera pas mal d'ennuis. Tout à fait, c'est ça. Enfin, moi, il fallait que je mette ce message parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Si t'as quelque chose à dire là-dessus, Eric, si t'as des messages là-dessus à porter, dis-le. Pense que, comme il y a un proverbe qui dit, les écrits restent, les paroles s'en vont. Ouais. Aussi, ouais. C'est ouais. sûr que le deuxième va être déjà le premier tiki-toi. On commence à se poser des questions, mais tiki-toi, 2 ans après, on va plus poser de questions parce que je vais citer, pas nommer, mais je vais citer. Voilà, donc c'est un petit peu un coup de colère la suite. Alors on en parlera après du livre, mais la suite qui va y avoir, on en parlera aussi. Tu l'expliqueras tout à l'heure par rapport à la suite du livre qui va sortir fin d'année, je crois, si je me souviens bien. Voilà, c'est ça. Alors on va passer au sujet suivant. On va parler de quelque chose qui te tient à cœur. L'association Ensemble contre la sclérose en plaques. Alors, on va d'abord expliquer ce que c'est que cette association. Donc, elle a pour but de soutenir les personnes atteintes de sclérose en plaques en les aidant dans leur quotidien. Donc, achat de fauteuils roulants, aménagement du domicile, sorties, jouets pour les enfants hospitalisés. Et également, dans les années à venir, la création d'une maison de vacances afin que les malades puissent partir dans un centre adapté. Ce qui permettra à leur famille de trouver un peu de repos, car gérer le quotidien n'est pas toujours facile. Et profiter du grand air. Alors, afin de pouvoir réaliser tout cela, ils organisent des concerts dans toute la France, des collectes de fonds également, des manifestations et des réunions d'information, afin de faire connaître le plus possible au public les causes et les symptômes de cette maladie. Tu confirmes, tu connais bien. Alors, je te confirme, mais en plus, c'est pas marqué dans le dépliant là. C'est que je suis délégué départemental du 33. Justement, je voulais en arriver. Akicep 33. Non, c'est toujours de l'ensemble. Alors, justement, ce qui est bizarre, parce que j'étais sur le site d'Ensemble contre la sclérose en plaques, et il n'y a pas la délégation de Gironde. Non, elle est oubliée. Et ça m'a fait bizarre. Et j'ai trouvé sur leur site plutôt Akicep 33. Pas longtemps, ça fait que 3 mois que j'y suis. Mon concert ne sera pas un concert, ce sera une chorale de 40 personnes du Haillan qui viendront chanter dans l'église du Haillan. Et tous les fonds seront reversés à l'ARCEP qui se trouve à Toulouse. Très bien, voilà. Ça c'est très belle initiative. Alors, et très belle action. Au niveau de l'association, donc pour ceux qui ne savent pas où c'est, pour ceux qui veulent leur écrire, donner leur faire des dons, tout ça, donc ça se trouve au 1 rue du Nord, soit au 92 160 Anthony, alors pas de H, hein, Antony. Vous pouvez aussi les contacter si vous voulez des renseignements, 01 55 59 88 12, ou alors aussi sur un portable, 06 82 07 50 99. Vous pouvez également leur écrire par mail,
ensemblecontrelacep@free.fr. Et si vous voulez aller sur leur site internet, auquel j'ai trouvé que c'est très complet, il y a ce qui vient sur le site, moi je trouve qu'il y a pas mal de choses complètes là-dessus. Alors c'est www.ensemble-contre-la-cep.fr. Je vais répéter, www.ensemble-contre-la-cep.fr. On passe au sujet du livre. Toi. T'es qui toi ? Alors, j'ai plusieurs questions à te poser. D'abord, pourquoi avoir choisi ce titre T'es qui toi ? Alors, le T'es qui toi est arrivé peut-être 2 heures après. Il paraît que c'était une réflexion que j'emploie souvent. Ce côté avec mon regard, leur dire aux gens, mais t'es qui toi ? T'es personne. Et en fin de compte, ce T'es qui toi, c'est complètement transformé. Le T'es qui toi, maintenant, je m'adresse directement à la maladie. À lui dire, mais t'es qui, toi, pour m'embêter, j'ai 47 ans. Donc, le t'es qui, toi, s'est transformé comme ça. Moi, je me souviens, on en avait parlé avec René le 12 février de ça. Ouais. On s'est dit, je pensais que quand t'avais dit ça, que c'était... t'es qui, toi, patience, j'y arrive. Ouais, c'est ça. On avait vu comme ça, en fait, le titre. Bon, après, on s'est dit, est-ce que c'est les gens qui te jugent, tout ça? Moi, je me suis mis ça en tête en disant t'es qui toi pour me juger quoi. On se sent très bien, on avait parlé ensemble. Voilà, c'est ça. Et ouais. Voilà. Et il le rappelle très bien dans son livre. Il dit tu as volé ma jeunesse, tu t'acharnes pour la vie, mais je suis là, je résiste. T'inquiète pas, un bras de fer s'engage entre nous et tu mourras pas quoi. Ouais. On peut aussi rendre hommage à la personne qui t'a aidé aussi à faire le livre. Au passage, ma grande plume bleue, voilà, qui maintenant s'appelle Maman Bis, qui avec elle on va entreprendre donc d'écrire un deuxième livre où là je développerai beaucoup plus ce côté d'être handicapé même pas en fauteuil roulant ou handicapé, un manque de respect en général des gens. C'est surtout un manque général des gens. On a beau être ce qu'on veut, le respect, il n'y en a pas beaucoup, malheureusement. Malheureusement, donc, c'est clair. C'est pour ça que le deuxième, j'y tiens énormément. C'est que ce respect, même si je ne suis pas le président de la République, même j'estime que le respect doit commencer personne par personne. C'est pas la peine de respecter 1 million de personnes si déjà entre 2 personnes, elles ne se respectent pas. Moi, ce que je peux dire sur ce livre, c'est pas pour le vendre, mais c'est surtout parce que je dis ce que je pense, c'est surtout plein de sincérité et plein d'émotions. Et franchement, à titre personnel, moi, d'habitude, je suis pas du genre à lire les romans et les livres. Mais là, franchement, on voit bien l'analyse et le mélange qui est riche. Déjà, ce qui est bien dans ce livre, ce qui est bien dans ce livre, tu vois, t'as pas cherché des longs mots, t'es resté d'abord toi-même, t'as dit les choses à ta manière. C'est très fort quoi. Et moi j'ai été touché par rapport à ça dans ce livre et que je recommande fortement de le prendre. Beaucoup, le résumé de beaucoup de lecteurs qui le lisent assez vite et voire très vite, c'est de dire c'est simple, c'est bien expliqué. C'est ça, voilà. C'est ça. C'est justement ce que. On appréhende mieux la maladie et on comprend mieux les différentes étapes. Et parcours de ce combat au quotidien, parce qu'il faut savoir que c'est tous les jours que la sclérose il la vit et il se bat, et donc c'est plein de louanges et plein de cette richesse collective qui partage dans ce livre sur toutes ces étapes. C'est vraiment, comme me disait Julie, une vraie leçon de vie. Et c'est quoi qui t'a donné envie de faire ce livre ? C'est quoi le déclic, en fait ? C'est au moins d'alerter mes proches. D'accord. Voilà, ouais. C'est au moins de leur dire, voilà ce que je vis, voilà ce que je ressens. Et puis après, ça a pris une envergure. Voilà. Il y a aussi... C'est aussi un livre pour sensibiliser les gens aussi. Oui, dans un sens, voilà, ça, il ne faut pas l'oublier. Ça, c'est très important. C'est pour ça que le prochain sera encore de plus poignant, parce que ce sera une stop aux lamentations. C'est exacerber ces sensibilités qui le font allergique, je dirais, à certaines attitudes qui lui font souffrir par ses frustrations exagérées. Donc, de ce quotidien, des attitudes de certains étrangers qui lui, plus ou moins, pourrissent la vie par son état de santé.
santé et de façon à ce que ce soit mieux apprécié cet élan spontané qu'il rencontre, qui les attentions dont il peut être l'objet et de ses émotions affectives aussi, elles seront décuplées et donc tout ça. Ça lui fera sacrément du bien et de véhiculer cette chaleur humaine dans ce monde de brut fera donc encore l'objet de cet écrit qui va arriver Tekitoi 2 ans après. Ah oui, alors Pierre, donc non, voilà. Je dirais que l'écrit, excuse-moi René, l'écriture est une forme de psychothérapie. Voilà. Absolument. Oui, c'est ça. Absolument. Donc ça veut dire que j'ai mis 9 points pour le premier, pour le deuxième je vais mettre moins de temps parce qu'avec Hélène Bourgela on se connaît, mais on va passer 5 mois. Et c'est pas 5 mois à se prendre la tête, c'est une aventure. C'est pas 5 mois à mentir, c'est 5 mois à dire de la vérité, il faut la dire. Je veux dire, il y a trop de gens qui ne peuvent pas dire ou qui ne veulent pas dire, mais voilà, il faut le dire. Je veux dire, il n'y a pas de honte à aimer le respect, il n'y a pas de honte à aimer. Bien sûr. C'est une chanson de Michel Berger, il n'y a pas de honte à. Oui, à aimer ça, oui. Ça. Qu'est-ce que je voulais dire? En gros, le livre, ça t'a permis d'extérioriser ce que tu avais à l'intérieur de toi et que tu avais besoin de le faire, sur un livre, quoi, en fait. Complètement. Et sachant que le deuxième livre va être encore plus puissant dans le sens, dans le sens où 2 ans de plus, concernant la maladie, il y a des choses que je pouvais faire il y a encore 2 ans quand le livre a été écrit que maintenant je ne peux plus faire. Tu m'as dit aussi, le 22 mars, on en a parlé, que dans le deuxième livre qui va apparaître fin de l'année, que justement tu vas évoquer un petit peu aussi l'évolution de ta maladie qui s'est produite 2 ans après, quoi, en fait. 2 ans après. Donc, là-dessus. Là, ça va être horrible. Donc, déjà, le premier livre est très, très sensible. Alors, imaginez le deuxième, quoi, on va dire. Ouais. Deuxième va être encore plus sensible, donc il me tarde de le voir. Parce que la maladie fait son chemin. Et le combat fait son chemin. Par rapport au livre, alors on va pouvoir évoquer le livre. Où est-ce qu'on peut le trouver, le livre? Alors, on peut le trouver à la librairie Mola. C'est la plus grande, alors je ne savais pas, mais c'est la plus grande librairie indépendante de France. Son numéro de téléphone, c'est le 05 56 56 40 40. Ou directement, vous allez sur son site internet www.mola.fr. Et on peut se le procurer que sur Mola. Que sur Mola. Est-ce qu'on peut... Bon, le deuxième, il sort qu'en fin de l'année, sur... Normalement, le deuxième devrait sortir fin d'année. Voilà, fin d'année. Il y travaille pour. Voilà. Et ça reste Tekitoi 2 ans après. C'est ça le titre qui va y avoir. D'accord, le okay. titre ne changera pas. Hein. D'accord. Sauf qu'il y aura 2 ans après. Quoi. Voilà, c'est un petit peu ça. Voilà. Pour récupérer au moins un rythme normal de vie, il y a quand même 15 heures de sommeil. Ah oui, c'est vrai ça. T'as besoin de 15 heures de sommeil. À l'heure actuelle, j'aurais besoin pour récupérer de 15 heures de sommeil. J'en dors que 6. Ouais. Voilà. Effectivement, ouais. Et normalement, je dois en avoir 15, mais j'ai pas le temps. D'accord. Très bien. Et voilà, je vais juste préciser ce que tu disais par rapport à ton entourage, par rapport à ton avenir aussi que tu disais. Quand je pense à l'avenir, je m'inquiète plus de mes proches, ma femme, mes enfants, car je sais mes parents à l'abri du besoin que de moi-même. C'est beau ça. Ouais, c'est qu'il s'occupe des autres au lieu de s'occuper de lui avant. Mais un peu comme Coluche. Hein, comme tous ceux qui luttent, qui sont dans les luttes, que ce soit pour la santé, les discriminations en général et tout ça, ils font passer les autres avant eux-mêmes. Bien sûr, c'est ça. René, tu voulais dire quelque chose sur la semaine? Moi, je voulais qu'on revienne un peu sur l'événement à venir qui nous relie davantage. Et c'est la semaine de mobilisation autour de la sclérose en plaques, donc le dire, le redire et le redire, du 23 au 30 mai 2012.
cette sensibilisation, vous trouverez tous les programmes sur l'Union pour la lutte contre la sclérose en plaques. C'est, il y a un site internet où on a tous les renseignements. Tu ne l'as pas donné, le site Si, bien sûr. Voilà, donc c'est bien de le rappeler. C'est donc 3W ensemble-contre-la-cep.fr. Voilà, que je vous invite à aller lire et avoir toutes les informations et soutien sur cette campagne et sur cette maladie qu'on bat au quotidien. Voilà pour ça. Et puis le 30 mai, qui est la journée mondiale. Donc voilà. Et moi, je tiens vraiment à dire merci, un grand, grand merci à toute l'équipe d'Ensemble contre la sclérose en plaques qui font un super travail. Et il faut que ça continue, il faut se battre. Comme je dis à la présidente, il y a là, on se bat, il faut y aller. Alors, c'est pas se battre. Le mot battre, je sais pas si vraiment non, c'est un mot approprié, mais c'est vraiment. Il faut montrer qu'on existe. Je veux dire, cette maladie, elle existe. Faut pas se cacher la face. Faut en parler. Et moi, je dis que cette association, pour ça, elle fait un super, super travail. Et je tiens à remercier Valérie Rouleau et Virginie Maury qui s'occupent vraiment à fond de cette association. Pardon. J'ai rappelé, justement, ça tombe bien, ça rappelle du thème de l'année, de la journée, c'est vivre avec la sclérose en plaques, justement. Elles se battent pour rendre la vie des personnes atteintes de sclérose en plaques à être meilleure. Et je dis bravo. Alors, de mon côté, j'ai deux témoignages d'autres personnes qui vivent de la sclérose en plaques. Peut-être que ça peut te rejoindre. Donc, en 1997, il y a Jean-Albert Gaillard qui ressent une violente douleur, un peu comme s'il était cassé le genou en tombant de moto, raconte-t-il. Son médecin traitant lui conseille d'aller consulter un neurologue. Lorsque Jean-Albert décide finalement à passer cet examen, le spécialiste détecte des problèmes au niveau du cerveau et même de la moelle épinière. Il apprend alors qu'il souffre de la sclérose en plaques. Dans près de 70% des cas, donc on le répète, la maladie se déclare à partir de 30 ans. Aucun marqueur biologique ne trahit l'apparition de la maladie, qui n'est pas visible lors d'un examen du sang. Actuellement, aucun test permettant de détecter la maladie de façon certaine n'a été conçu. Les médecins se basent sur un ensemble de signes et de symptômes pour établir le diagnostic. Ces indices sont multiples. La maladie provoque des troubles moteurs comme l'apparition d'une faiblesse musculaire, entraînant une gêne de la motricité. La motricité, c'est le cerveau. Motricité, c'est aussi les mouvements, quoi. C'est quand même le cerveau qui contrôle tout ça. Ou encore des pertes d'équilibre, des troubles sensitifs comme des engourdissements, des fourmillements ou encore perdre la sensibilité de certaines parties de son corps, des troubles visuels, la vue diminuant progressivement et pouvant devenir trouble, des troubles cognitifs comme des pertes de mémoire, des troubles urinaires et sexuels. Désolé, mais il faut le dire. Hein. Voilà, même si elle reste compliquée à déceler, le dépistage de la sclérose en plaques s'est largement amélioré ces dernières années. Alors j'ai une citation qui dit, c'est Jean-Albert qui dit, « Il m'a fait des examens avec des électrodes dans le cerveau. Il y avait vraiment un danger car si une plaque se déposait sur le cerveau, je pouvais perdre la mémoire, la vue ou la parole. » Est-ce que tu peux le confirmer ? C'est exact. Tout à fait ça. Le cerveau, dès qu'on touche au cerveau, on touche à quelque chose. On parle, on bouge, on fait n'importe quoi, c'est le cerveau. Ouais, c'est le moteur. Quoi. C'est le moteur. Oui, c'est le moteur qui est... Et une fois que tu t'as beau toucher, que ça soit sur les mains, un truc, tu perds tes sensations du toucher, tu perds toute notion de... Parce que tout est relié au niveau du cerveau et automatiquement, s'il y a un dysfonctionnement, automatiquement, c'est tout le reste qui suit. Alors ensuite, les conséquences de la maladie sont différentes selon chaque patient. Certains marchent, se déplacent sans difficulté, mais pour Jean-Albert, le développement de la maladie s'est avéré dramatique. Sa vie a basculé et son quotidien a été totalement transformé. Très rapidement, il n'est plus en mesure de bouger. Aujourd'hui, il est handicapé et ne peut plus continuer son métier dans la restauration. Il y a une citation qui dit « Je suis alité et je n'ai plus de bras, plus de jambes », confie-t-il. Après, si Jean-Albert suit attentivement les progrès de la médecine,
Et à noter quelques évolutions positives, la science a encore beaucoup à faire pour traiter la maladie. Il dit, la recherche avance, mais pas assez rapidement. Note Jean Albert, pour qui les soins sont encore trop coûteux. Est-ce que ça, apparemment, c'est... C'est tout à fait ça. C'est pas pris en charge par la mutuelle? Ah, en plus? Non. Du tout, du tout. Oh là là, c'est terrible. Quoi, les soins? Les soins, oui. Ça dépend desquels. Hein. Oui, ça dépend des médicaments. Non, ça dépend des médicaments, ça dépend desquels. Ça dépend de quel type de soins tu as besoin. Ah. Ça, mais tout n'est pas pris en compte. Chaque traitement est différent. Oui, voilà. Mmh. Alors ensuite, j'ai une. Alors ça, c'est plus particulier. C'est une fille qui a été diagnostiquée de la sclérose en plaques à 12 ans. Ça, c'est beaucoup plus rare. Les difficultés de Mélanie ont commencé bien plus tôt que dès le lycée. Il faut dire que, qu'à l'époque, Mélanie fait partie des 10 plus jeunes patients atteints de la sclérose en plaques. Donc, elle avait 12 ans et demi quand le diagnostic a été posé. Du jour au lendemain, je ne pouvais plus marcher normalement. Parmi les symptômes qui l'affectent le plus, les problèmes de vue de Mélanie nécessitent quelques aménagements au collège. Donc, elle cite... J'étais toujours devant, ce qui provoquait des moqueries de mes camarades, c'est ce qu'on a parlé tout à l'heure. J'avais aussi un professeur entre midi et deux pour qu'il m'aide à rattraper mon retard, mais j'ai dû me battre pour obtenir un tiers temps pour mes examens, souligne la jeune femme. Pour son bac, en revanche, faute d'une bonne organisation des surveillants, elle ne bénéficiera d'aucun aménagement particulier. Ça, par contre, c'est quelque chose que je reproche énormément. Les aménagements pour handicapés, là-dessus, j'en ai parlé longuement. Hein. À 24 ans, donc aujourd'hui, elle a 24 ans, Mélanie enchaîne les CDD. La faute à la conjoncture ou sa maladie, ça, on ne sait pas. Elle ne saurait le dire, mais affirme avoir plutôt que des bons rapports avec le monde de l'entreprise. Elle est aujourd'hui chargée de communication dans un grand groupe et ne bénéficie d'aucun aménagement officiel. Alors, elle cite, « Je n'ai pas demandé d'adaptation de poste, précise-t-elle, mais en revanche, dès le premier entretien d'embauche, je suis franche, j'explique d'emblée au recruteur comment se gère une personne handicapée et comment il me revient de gérer mon temps en fonction de mes difficultés. » Ah, bravo, elle. Ça, c'est bien joué. Bravo. Une franchise qui ne lui a jusqu'à présent jamais posé de problème à l'embauche. Et après, elle cite, après ces différends, les gens ne se rendent pas toujours compte de ce qu'ils demandent, souligne-t-elle. Mais elle a raison. Pour assurer ses employeurs sur ses capacités de travail, Mélanie se montre force de proposition. Donc elle cite, il existe des souris grossissantes, des ordinateurs ayant une loupe intégrée. Je peux également faire du télétravail. C'est-à-dire les téléopérateurs, tout ça. Oui. Autant de solutions qui démontrent à la fois sa volonté de mener à bien ses missions et de ne pas pénaliser l'entreprise qu'il a embauchée. Elle cite, on n'en fait plus pour montrer qu'on est capable et ne pas faire regretter son choix à l'entreprise qui nous a fait confiance. Si Mélanie entretient de bons rapports avec sa hiérarchie, ce ne fut pas toujours le cas. Elle cite, j'ai travaillé dans la fonction publique, loin de montrer l'exemple en matière d'intégration des personnes handicapées. Avec plus de 50% de risque de finir sa vie en fauteuil roulant, Mélanie sait qu'elle devra continuer à se battre à la fois contre la maladie et contre les préjugés. Son avenir, en revanche, elle l'envisage au jour le jour. Voilà. C'est exact. Alors, j'ai des poèmes. Là aussi, on va faire une grosse séquence d'émotions. Parce que je peux vous dire que les paroles sont fortes. Alors, écoutez bien ça. Donc, le titre s'appelle La CEP. Un seul jour et tout bascule. Comme un cheval à bascule. Tu veux te lever comme les premiers pas d'un enfant, mais là, pas de répondant. Tu te dis, cela va passer. Comme la mécanique de la voiture démarre, la mécanique humaine ne réagit qu'à moitié. Alors tu te dis, lâche prise ou bats-toi. Eh bien, choisis de te battre, mais pas seul, car on ne le peut pas. Voilà la première. Ah, joli, très beau. Très bien dit. Alors après, le deuxième s'appelle la maladie. Qui es-tu ? Bien. Qui es-tu ? Une amie, pas pour moi. Une ennemie, j'en suis sûr. Tu me fais vivre dans l'angoisse, malgré mon air heureux. Tu me fais pleurer, malgré mon cœur ouvert. Tu ne me prendras pas l'amour que j'ai pour les miens. Là, nous serons deux. Tu ne feras pas souffrir mes enfants, car là, tu me trouveras. Ça va ? Ça représente bien le livre. Hein. Ensuite, j'en ai plein. Après, il y en a une qui s'appelle Maman. Dans la vie, on ne sait pas ce qu'on nous réserve l'avenir. Non, dans la vie, on ne sait pas ce que nous réserve l'avenir. Ouais. Maman, elle pensait vivre heureuse et en bonne santé. Mais depuis maintenant presque 8 ans, elle est tombée dans la maladie. Une maladie qui a su prendre sa place dans nos vies. On s'y habitue et parfois même, on l'oublie, mais elle est toujours là, présente.
Maman nous montre l'image d'une femme heureuse et épanouie, mais au fond, son cœur pleure et elle ne peut s'empêcher de penser à la maladie. Papa la réconforte et l'aide à surmonter toutes ses épreuves. Et moi, pose la jeune fille, elle dit, j'essaie de beaucoup l'aider, mais je pense ne pas en faire assez en effet. Je devrais penser plus à elle et moi, et moins à moi quelquefois. Ah. Ça, c'est une fille qui a adressé ce poème à sa maman, qui est malade, qui souffre de la sclérose en plaques. C'est joli aussi, et ils sont tous. Encore un message à une maman. Donc, elle était heureuse dans sa vie, avec ses enfants et son mari, puis est tombée dans la maladie avec le début des grands soucis. Son mari a su la soutenir et essaye de la faire sourire. Mais elle cache tant ses sentiments que l'on ne sait pas ce qu'elle ressent. Elle est d'une telle gentillesse qu'elle me fait oublier son malheur. Et m'apporte une grande tendresse. Je ne saurais quoi faire sans elle, avec son visage de bonheur qui m'aide tant à croire en elle. Ça, c'est encore une petite fille qui a fait un petit message à sa maman. C'est mignon en tout cas. Alors là, on rentre. Il y a quelque chose tout à l'heure qui va sûrement t'interpeller, Eric. Là, c'est raison, une saison et ou pour la vie. Lorsque tu sauras laquelle s'applique pour une personne, tu sauras ce qu'il faut faire pour cette personne. Lorsqu'une personne est dans ta vie pour une raison, c'est habituellement pour combler un besoin que tu as manifesté. Elle est venue pour t'assister à travers une épreuve, pour t'offrir son aide ou son soutien, pour t'aider physiquement, émotionnellement ou encore spirituellement. Cette personne est là pour la raison pour laquelle tu veux bien qu'elle soit là. Alors, sans aucune mauvaise action venant de toi, ou à un moment jugé inopportun, cette personne dira ou fera quelque chose pour briser cette relation. Quelquefois, elle meurt. Quelquefois, elle te quitte. Quelquefois, elle agira de façon à te faire prendre une position ferme. Ce que tu devras réaliser, ce sera que ton besoin aura été comblé. Ton désir se sera réalisé, alors son travail sera terminé. Ta prière aura été exaucée et il serait temps que de passer à autre chose. Certaines personnes viennent dans ta vie pour une saison parce que ton tour est venu de partager, grandir et apprendre. Elles t'apportent une expérience de paix ou te font jouir de la vie. Elles pourraient te montrer quelque chose que tu n'as jamais fait. Elles te procurent au quotidien une joie inhabituelle et incroyable. Crois-le, c'est réel, c'est simplement pour une saison. Les amitiés à vie te donnent des leçons de vie. Te montre des choses sur lesquelles tu dois bâtir, afin d'avoir une fondation solide en émotion. Ton travail est d'accepter la leçon. Aimer la personne qui t'offre cette amitié. Et mettre en valeur tout ce que tu auras appris d'elle, afin d'aider d'autres dans ta vie personnelle. Elle est dit que l'amour est aveugle, mais que l'amitié voit loin. Merci de faire partie de ma vie. Voilà, ça c'était encore un message. Très beau témoignage. Et alors celui-là, je pense que ça va interpeller Eric. Alors, c'est un message qui dit « Très peu de personnes se rappellent de leur passé et des amis qui les ont soutenus dans les situations difficiles et douloureuses. La vie est un cadeau. Aujourd'hui, avant de dire un mot cruel, rappelez-vous de ceux qui sont muets. Avant de vous plaindre du goût de la nourriture, pensez à ceux qui n'ont rien à manger. Avant de vous plaindre de votre conjoint, de lui faire des infidélités, pensez à ceux qui implorent Dieu pour avoir un compagnon. » Avant de vous plaindre de la vie, pensez à ceux qui sont morts trop tôt. Avant de pleurnicher sur le trajet où vous devez conduire, pensez à ceux qui le font à pied. Quand vous êtes fatigué et vous vous plaignez de votre travail, pensez à ceux qui cherchent un emploi. Quand des pensées déprimantes semblent vous abattre, faites un effort pour sourire et dites-vous « Je suis en vie, donc tout est encore possible ». Qu'est-ce que t'en penses ? Bravo. Ouais. Franchement, bravo. Ouais. C'est De toute façon, le dernier, il résume bien tout ce qu'on essaye de faire comprendre, c'est qu'on n'est pas tout seul et c'est qu'on n'est pas tout seul et que ça serait bien qu'il y ait plus de communication par rapport à tout ça. Pour finir, j'ai trois citations à dire. Donc il y en a un qui dit « Il faut éviter le naufrage de la solitude ». Forcément. Oui, il a parlé. La CEP, c'est un combat quotidien. Tu rappelles le numéro de téléphone contre la solitude, c'est 0556. Contre la solitude De la CEP. De la CEP, qui peuvent appeler le numéro qui est sur Bordeaux. Voilà, c'est qui c'est la qui CEP, le numéro je ne connais pas par cœur. Non, mais tu l'avais dit tout à l'heure. Le numéro 756.
Le numéro de Akicep. Oui. Ah, il faudrait que. Alors, attendez, je vais vous le dire. Akicep 33. Alors, je finis d'abord les citations. Donc, donc j'aurais dit, il faut éviter le naufrage de la solitude. Oui. Deuxième citation, l'ACEP, c'est un combat quotidien. Et troisième citation, je pense que c'est la meilleure. Il faut connaître ses limites pour ne pas tomber. Oui. Enfin, ça, c'est peut-être pour moi la meilleure. Donc Akicep 33, je répète, c'est au 44 boulevard du président Wilson à Bordeaux. Yeah. Pour la ligne, les patients qui sont victimes de sclérose en plaques peuvent appeler Akicep. Donc c'est au 05 56 17 48 71. Il y a également un mail que je n'ai pas dit tout à l'heure. C'est akicep@wanadoo.fr. Je savais pas voilà. que Wanadoo existait encore, mais mais apparemment wanadoo.fr. Oui, bien sûr. Là, on est en train de reparler du livre « T'es qui toi ?» On le répète à nouveau. Le livre de Éric Bourget qui est actuellement avec nous, qui a écrit un livre qui s'appelle « T'es qui toi ?» Vous pouvez vous le procurer sur le site des éditions Mola. Vous pouvez le procurer aussi dans les magasins que sur Internet. Non, c'est dans le magasin. Dans les magasins aussi. Pas la Fnac, Virgin, tout non. ça, que Mola. Voilà, c'est distribué D'accord. chez Mola, voilà. Son témoignage face féroce en plaque. Hein. Très voilà. bien. Alors, on va faire une dernière pause. On va mettre Calogero en apesanteur. On va passer un petit message audio de cette fois d'un professeur qui parle de justement de ce qu'est la sclérose en plaques. On va remettre un petit peu ce qu'on a dit au début, au cas où si certains n'ont pas été là au début d'émission, on va un petit peu réexpliquer pour ce que c'est la sclérose en plaques. La sclérose en plaques, c'est une maladie inflammatoire démyélinisante du système nerveux central. Alors qu'est-ce que ça veut ? Le système nerveux central, tout d'abord, il s'agit du cerveau et de la moelle épinière. Donc la sclérose en plaques, c'est une atteinte du cerveau et de la moelle épinière. Alors maintenant, une atteinte démyélinisante. La teinte démyélinisante, ça veut dire que ce qui est touché dans la sclérose en plaques, ce sont les gaines de myéline. Les gaines de myéline, ce sont des formations membranaires qui s'enroulent autour des axones, l'axone étant le fil électrique qui conduit l'information dans le système nerveux central. Donc la gaine de myéline s'entoure autour de l'axone et permet à cet axone de mieux conduire l'influx nerveux. Dans la sclérose en plaques, ce qui se passe, c'est qu'on a une atteinte, une destruction de certaines de ces gaines de myéline. Du coup, l'axone, c'est donc ce fil qui permet au neurone, le neurone c'est la cellule qui transmet l'influx nerveux, l'axone est donc modifié dans son fonctionnement par cette atteinte de la gaine de myéline. En effet, la myélinisation, ça sert à avoir une conduction plus rapide de l'influx nerveux, plus sûre, et qui consomme moins d'énergie. Du coup, quand on n'a plus de gaine de myéline, on a une conduction qui peut être plus lente, ou qui peut ne plus se faire sur certains axones, et qui consomme plus d'énergie. Et quand vous avez un certain nombre d'axones qui sont démyélinisés en même temps, et que ces axones sont impliqués dans une fonction neurologique donnée, par exemple une commande motrice, une commande visuelle, une commande d'équilibre, à ce moment-là, on peut avoir un symptôme physique qui porte sur la motricité, sur la vision, sur l'équilibre. Donc, l'atteinte de la gaine de myéline est responsable d'une mauvaise transmission de l'influx nerveux par certains axones, et du coup, on peut avoir, en certains cas, des symptômes cliniques qui s'installent. Le dernier terme utilisé, c'est une maladie inflammatoire. Et en fait, il s'agit de cellules inflammatoires qui vont entrer dans le système nerveux central à un moment donné, à partir du sang, à partir de la périphérie. Et ces cellules inflammatoires, notamment des lymphocytes, vont reconnaître les gaines de myéline et vont les attaquer. C'est pour cela qu'il s'agit d'une maladie inflammatoire, en fait. Et que quand on traite cette composante inflammatoire. Donc ces lymphocytes vont reconnaître de façon anormale les gaines de myéline. C'est pour cela aussi qu'on dit qu'il s'agit d'une maladie auto-immune, il y a une reconnaissance anormale des gaines de myéline dans le système nerveux central. Retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr. Voilà, c'est fini. À très bientôt.